Ici, à Kalkan, la vie suit son cours. On va rester un an en Turquie. Lorsque nous avons traversé le pays du nord au sud, nous avons longé de grandes villes avec beaucoup d'immeubles, des villes plutôt industrielles. Ici, Kalkan est plutôt tourné vers le tourisme. Mais pas trop, c'est ce qu'on aime. Je vous laisse découvrir Kalkan et Kaş juste à côté. Cette ambiance, ces couleurs, ces tissus, moi j'adore. Ouais, on s'amuse comme on peut, Alors la Turquie, pourquoi est-ce qu'on apprécie ce pays? En fait, c'est comme les pays de l'Est hein, qu'on a fait et qu'on a bien aimé, la Bulgarie, l'Ukraine, la Moldavie, la Roumanie. C'est que ce sont des pays très simples, une vie très simple. Et c'est surtout qu'il y a tout à faire en fait ici. Il n'y a pas de, il n'y a pas grand-chose qui soit complètement dénaturé. Il n'y a pas de paysage dénaturé par l'homme pour le commerce, pour le tourisme. C'est ça que j'aime beaucoup, Christophe aussi d'ailleurs, en se rejoignant là-dessus. C'est qu'on aime bien avoir des choses un peu authentiques, qu'il y ait du tourisme et qu'ils en vivent, oui, mais que ce soit complètement dénaturé avec des super gros complexes, des super gros hôtels, des trucs un peu bling bling, ça ne nous correspond pas. Le Portugal, c'était un pays qui était, qui est très 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 beau, hein. Les côtes elles sont magnifiques aussi, mais voilà, ils ont déjà tout compris, ils savent déjà comment faire pour. Attention là. Là-bas. Ils savent déjà comment faire pour attirer le client, ils savent déjà que les hôtels vues sur mer ça rapporte et du coup il y en a un peu plus. Il y a quand même des belles pépites, hein. Faut pas se leurrer, on a adoré le Portugal. Mais dans le sud, dans l'Algarve, c'est quand même très 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 touristique. Là par exemple ici les trottoirs, les routes c'est un peu défoncé, c'est un peu à l'arrache. Et ça rend un côté un peu authentique, quoi. C'est ça, un peu authentique. Bon, on est dedans, quoi. Les gens ils mettent la main à la pâte pour pouvoir s'en sortir, pour vivre normalement. On sent que la vie elle est pas facile, quoi. C'est pas comme en Estonie où les petites maisons étaient toutes nickel avec les jardins carrés, ou comme en France hein, où il y a des petits jardins d'ornement. Là ici on sent que bah voilà, je vous montre, hein, c'est un peu à l'arrache. C'est les gens ils mettent leurs trucs devant chez eux comme ça arrive et c'est comme ça partout, c'est comme ça partout. Et puis voilà, les poubelles elles sont je sais pas si vous arrivez à voir d'ici là, mais les poubelles elles sont mises comme ça, enfin voilà, ça déborde. Ce sont des pays voilà, on sent qu'il peut y avoir de la pauvreté et les gens ils du coup sont très solidaires les uns les autres. Et ça renforce un peu les liens aussi, entre eux en tout cas, ils sont plutôt solidaires. Allez, on y va, puis même là avec les chiens et les chats, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans aucun pays, cette relation qu'ils ont aux animaux, de les nourrir et de les. Ouais, de les cajoler. Dès qu'il y a des bébés, ils les cajolent tous. Voilà, on sent qu'il y a des chiens, ils ont leur territoire, chacun a sa rue ou son quartier, c'est marrant. Qu'est-ce que t'as, gros pépère? C'est pas moi, c'est le monsieur là-bas. Allez, on avance. Il a pas l'air bien aujourd'hui. Normalement, il vient nous voir, lui. Non, c'est pas lui. Bonjour, allez, lui, si, c'est lui. Saucisse poivrée. Ouais, c'est lui, saucisse poivrée. Ouais, je suis sûre. T'as verré, parce que là, il marche pas, il est fatigué, mais.
Mais même maman, il doit être à côté du gros, l'autre. Il n'est pas là, mais... Bon, alors les filles, il fait super beau. Et malgré tout, les Turcs bossent avec des t-shirts, des pulls et tout. Ils sont insensibles à la chaleur, ces gens-là, c'est pas possible. Derrière, j'en ai attention. Ouais, bon, là, vous les verrez pas. Bon, ils sont là-haut. Ils doivent avoir les trucs dans les oreilles parce que sinon ça va leur faire mal. Oh, regarde, des cacahuètes. Ouais. Cacahuètes. Bah, elle est toute seule. Oh, il y a des yeux. Les yeux sont là-bas, ouais. Oui, on va aller, moi. Coucou. Et puis, il faut dire aussi que bah, le coût de la vie est très peu cher. Je vérifie, les enfants sont là, oui. Le coût de la vie est peu cher, enfin, le coût de la nourriture par exemple. Dans un resto à 20 euros, même bien moins d'ailleurs, on peut se faire des repas à 12-13 euros, même en service emporté. La Turquie, c'est les rois du service. Ils livrent tout, c'est hallucinant, on peut se faire livrer de l'eau en une demi-heure, des œufs, du lait, nos courses. Alors ça se fait aussi en France, mais... Oh, petite coccinelle, il m'a fait peur, l'histoire, je croyais que c'était une grosse bête. Oh, petite coccinelle, j'adore. Ah oh, bah mince, elle est partie. Forcément, elle va pas revenir. Oui, c'est les rois du service ici. Hein. Ils aiment bien livrer, c'est aussi leur commerce. Jonah, tu vas tomber et la glace, elle va, tu pourras plus la manger. Désolée. Les joies du parc. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on aime bien ce pays. Et puis voilà, il y a ce côté aussi ambiance musulmane qu'on n'a jamais connu avant et qui est intéressant, même si là pour le moment c'est le ramadan, on voit pas grand chose. On est copain avec personne. On connaît que notre propriétaire qui est restaurateur, donc je sais pas s'il le pratique. On n'est pas encore intégré là où on est, c'est des maisons qui sont louées aux touristes. Donc évidemment on va voir que des touristes. On n'est pas dans les quartiers des locaux. Ce qui est dommage d'ailleurs, hein, parce que c'est ce que j'avais bien aimé quand on était à Bodrum, c'est qu'on était dans un vrai quartier où les gens vivaient, et ça c'est encore mieux. T'es un super héros. Parce que grâce à Selma et grâce à mes voisins, j'ai découvert et appris plein de choses. Ici, on ne sait pas, on reste qu'un mois, donc ça va être dur de s'intégrer vraiment au locaux. Et on ne voit pas grand chose pour le moment du ramadan, mais bon, on n'est pas encore pas la glace, au bout de ce mois. Voilà, voilà. Puis nous sommes allés à Patara, c'est à 20 minutes de Calcan, un site antique, payant. On a dû payer 9 euros pour nous 5, et tellement beau. Ici, on se rend compte de la colonisation grecque, dans cette partie du pays qui date du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'était magnifique. Alors là, on va à Patara Beach, juste à côté justement des théâtres antiques et des ruines. C'est l'une des plages de sable qu'il y a ici, c'est l'une des très belles plages de Turquie. Elle est aussi réputée parce que ici viennent pondre les tortues de mai à septembre. Donc voilà, c'est une plage qui est forcément très connue et elle fait 18 km de long quand même. Hein. Mais ici, en Turquie, dans le sud, vraiment, ce qui est génial, c'est se ressourcer sur les nombreuses petites criques. Il y en a partout, c'est juste trop beau.